glacé avec du lait d'amande, s'il vous plaît. Esther, E-S-T-H-E-R. À filmer, je venais d'appuyer sur le bouton et là je reçois un appel. Oui, la livraison de votre canapé arrive dans 2 minutes. Et du coup là je viens de recevoir mon rôle canapé, enfin. Bon, du coup, si vous avez pas déjà compris, oui, j'ai enfin déménagé. Bienvenue dans mon nouvel appartement, dans mon nouvel univers. Je suis trop contente et j'aime trop cet endroit. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de mon déménagement, de mon appartement, vu que vous m'avez posé tellement de questions. Et voilà. Alors déjà, je tiens à dire que ça fait tellement du bien d'être de retour sur YouTube. La dernière fois que j'ai filmé une vidéo YouTube, j'étais dans une période très sombre de ma vie et j'ai pris 3 mois pour moi, etc. pour aller mieux, me concentrer sur moi. Et ça va tellement mieux, et déménager c'était une partie des choses que je voulais faire pour aller mieux. Et voilà, je m'étais dit que je reprendrais YouTube quand j'irai mieux mentalement et quand j'aurai déménagé, et bah c'est le cas. Du coup, je pense que toute cette histoire commence fin juin, quand j'ai totalement arrêté d'aller dans cet appartement à Paris. D'ailleurs, ma dernière vidéo YouTube qui est sur ma chaîne, ça a dû être une des dernières fois où j'étais dans cet appartement, vraiment. Je sais pas, j'y allais plus du tout. C'est un appartement qui m'oppressait en fait. Genre, j'y allais pas parce que je me sentais super mal. J'avais trop été mal mentalement dans cet appartement et j'en pouvais plus. Genre, c'était juste oppressant d'y retourner. J'avais pas fait la démarche de le rendre ou quoi, parce que je sais pas, j'étais même pas encore dans ce mood là. Je voulais juste aller mieux mentalement avant de faire quoi que ce soit. Début août, quand j'ai commencé à aller un petit peu mieux, etc., j'ai osé appeler mon agence immobilière pour leur dire que je voulais un appartement. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait 3 mois de préavis et du coup que j'ai jusqu'à octobre pour trouver un appartement, et en fait il y avait que 1 mois. J'ai quand même envoyé mon préavis, j'ai dit hop, je dégage, de toute façon j'y vais plus, ça sert à rien que je paye si j'y vais jamais. J'aurais envoyé la lettre et je me suis dit vas-y, j'ai 1 mois pour trouver un appartement, c'est carrément jouable machin. Erreur de débutant. Il faut savoir que mon ancien appartement, je l'avais eu en claquant des doigts. Je sais pas par quel miracle je l'avais aussi facilement. Du coup, moi je pensais que trouver des appartements à Paris, ça allait toujours être comme ça. C'est là qu'a été mon erreur, parce que j'ai vraiment passé, je pense, 2 mois à faire des visites quasiment tous les jours. J'ai dû visiter 40 appartements et déposer mon dossier dans une vingtaine, je pense. Et c'était compliqué, quoi. Du coup, bref, en août, j'ai visité quelques appartements. J'en ai visité un qui me plaisait énormément. Et du coup, je les ai rappelés pour savoir si je l'avais, parce que moi, j'étais sûre de l'avoir. Et ils m'ont dit, oui, non, il a été donné à quelqu'un d'autre. Et là, je suis tombée de haut. J'étais là, ah merde, donc j'ai pas l'appartement que je veux. À partir de là, j'ai compris que ça allait être un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu. Mais je pensais pas aussi compliqué. Vraiment, j'avais toutes les applications, etc. J'y passais ma vie et j'avais aucun appartement. Pendant tout le mois de septembre, j'ai fait que ça. J'ai vraiment passé 3 semaines à faire des visites, genre 5 ou 6 visites par semaine, je pense. Et à un moment, il y a un appartement que j'ai visité qui était dans le 5e arrondissement, boulevard Saint-Germain. Si vous êtes parisien, vous savez très bien de quoi je parle. C'est genre dément comme quartier. Je rêvais trop d'y habiter, etc. J'avais adoré cet appartement. Et je sentais que l'agence immobilière, le feeling était passé, qu'ils aimaient bien mon dossier. J'avais des chances de l'avoir. Je sais pas comment expliquer. Du coup, je les rappelle quelques jours après pour avoir des nouvelles. Et ils me disent, oui, nous on a validé votre dossier. L'agence le voulait totalement, mais on en a parlé au propriétaire. Et ils veulent juste pas d'une étudiante. Ils préfèrent avoir un couple en CDI. Du coup, moi je dirais, mais en fait, c'est même pas vous qui ne validez pas mon dossier. C'est genre le propriétaire qui juste veut pas de moi. Genre. Et je sais pas pourquoi ça m'a grave fait tomber de haut et j'étais en pleurs. J'étais en train de chercher sur Google comment faire des fausses fiches de paye. Genre, j'étais vraiment au bout du rouleau. Genre, j'en pouvais plus. J'étais là, ça fait quasiment 2 mois que je cherche, j'en peux plus. Et le lendemain, je me réveillais à 10h parce que j'en avais marre de me lever tôt pour aller faire des visites. J'avais fait une grasse mat, j'étais fatiguée. Je commence à aller sur Se Loger, etc. Et je vois un appartement qui était beaucoup plus beau que ce que je cherchais. Mais je me suis dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Autant appeler. De toute façon, tu l'auras pas, mais c'est pas grave. Du coup, je l'appelle et il me propose une visite, genre à midi. Sauf que là, il était 10h, que j'étais en banlieue et que j'étais dans mon lit. Je me suis préparée en un quart d'heure. J'étais démaquillée, je m'étais trop mal habillée. Je suis allée prendre mon train que j'ai failli rater, mais je suis allée et j'ai visité cet appartement. L'agent immobilier était trop cool et il m'a direct dit oui, si vous voulez cet appartement, vous pouvez l'avoir, etc. Moi, je suis pas compliquée, machin, le propriétaire non plus. Là, j'ai fait une autre visite avec une dame, elle voulait faire une revisite, j'ai la flemme, sincèrement. Du coup, si vous voulez cet appartement, il est à vous. Moi, j'étais là, mais c'est trop beau pour être vrai, mais ok. Du coup, je lui ai envoyé mon dossier. Le lendemain, il m'a dit oui, c'est bon, vous avez l'appartement, machin, il y a 90% de chance. Et je vous rappelle dès que vous l'avez. J'ai attendu son appel et le lundi de la semaine d'après, je l'ai rappelé en me disant qu'il va avoir choisi quelqu'un d'autre. Il m'a dit non, c'est bon, vous l'avez, etc. J'ai mis votre emménagement pour le 1er octobre. Sincèrement, j'y croyais toujours pas. Je me dis, mais c'est pas possible que j'ai cet appartement, genre, c'est impossible. Et en fait, bah si, je l'ai eu. Je sais pas par quelle chance j'ai eu cet appartement. Je me suis toujours fait recaler de partout. Et celui-là, qui est mieux que tout et qui est mieux que ce que je pouvais imaginer et vouloir, il m'accepte. Je pense que vraiment tout arrive pour une raison, parce que bah, il fallait que je perde 2 mois de ma vie à chercher des apparts pour finalement trouver le bon. Je vous ai dit sur Instagram de me poser des questions parce que vous parlez de mon expérience, je sais pas si ça vous intéresse. Je me suis dit surtout que je pourrais faire répondre
à ce que vous vouliez. Alors première question, il y a quelqu'un qui me dit ta gueule. On m'a demandé si j'étais locataire ou propriétaire. Alors je suis locataire, j'aimerais tellement pouvoir acheter un appartement sur Paris, mais bon, vu les prix, il va falloir attendre quoi. Alors on m'a demandé combien de mètres carrés il faisait. Alors il fait 43 mètres carrés, ce qui est énorme moi je trouve. Il faut savoir que mon ancien appartement faisait 34 mètres carrés, du coup celui-là fait seulement 9 mètres carrés de plus. Et j'ai l'impression qu'il fait 20 mètres carrés de plus, qu'il fait genre le double. En fait c'est tellement plus spacieux, ça a rien à voir. On m'a demandé si je comptais faire un apartment tour. Alors oui, évidemment je compte le faire une fois que l'appartement sera meublé et décoré de la manière dont je le veux. Promis, je vous montrerai tout mon appartement etc, mais bon en attendant il est vide. Je vous avais quand même promis que je vous montrerai mon appartement vide dans cette vidéo, du coup attendez la fin et vous le verrez. On m'a demandé ce que c'était mes inspi déco. Alors j'en ai plein, je vous les partage souvent en story, mais je vais vous en mettre quelques-unes ici. Un truc plutôt classique, j'adore le style de déco parisien des appartements haussmanniens. Enfin je sais que c'est pas un style de déco, mais je sais pas, les styles un peu classiques parisiens j'adore. Et sinon j'adore les appartements avec le style des années 60. Genre il y a des meubles des années 60 que j'aime trop, et le vintage comme ça j'adore. J'ai envie de faire un appartement très neutre, vous voyez. Genre là j'ai pris un canapé qui est beige, j'ai pris des meubles très simples, mais j'ai envie qu'au niveau de la déco je prenne des trucs très colorés pour un peu contraster. Genre je sais pas, je vais voir ce que je fais, mais j'ai pas envie d'avoir un truc trop neutre non plus, mais je vous tiendrai au courant. On m'a demandé si je me sentais bien dedans. Alors oui, tellement. C'est exactement ce que je voulais. Genre j'espère vraiment trouver un appartement dans lequel je me sente bien et dans lequel je sois heureuse, et c'est encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Genre je sais pas, depuis que je vis dedans il m'arrive que des choses cool. J'adore ma vie, j'adore ce que je fais, j'adore mon quartier, j'adore tout vraiment. Je suis émerveillée quand je sors de chez moi par Paris l'automne. Je me sens inspirée, je me sens motivée. Genre sincèrement je pensais pas qu'un appartement pouvait avoir autant de bénéfices sur mon quotidien. On m'a demandé s'il y avait plusieurs chambres. Alors non, il y en a qu'une, c'est un deux pièces. Là on est dans le salon dans lequel il va avoir mon futur canapé une fois que je l'aurai monté, et après il y a une chambre, voilà. On m'a demandé le magasin ou le site où j'ai acheté la plupart de mes meubles. Alors pour les meubles sincèrement j'ai acheté beaucoup de choses chez Ikea. J'ai acheté mon sommier chez Ikea qui est pas encore arrivé, j'ai acheté mon canapé chez Ikea. Après j'ai acheté des chaises sur un site qui s'appelle Sculm. J'ai acheté mon tapis chez Maison du Monde, des trucs quand même assez connus. J'ai regardé sur West Wing, j'ai regardé sur Made je crois. Et après pour la déco j'essaierai de trouver des trucs un peu plus stylés, un peu plus originaux que Ikea quoi. On m'a demandé qu'est-ce qui a fait que c'était l'appartement que tu voulais. Alors sincèrement tout, parce qu'il était mieux que les autres appartements que je voulais. Mais en fait il y a tellement d'appartements que j'ai voulu mais dans lesquels je me suis fait recaler. En fait c'était même plus moi qui choisissais, ah j'ai le choix entre ces 5 appartements et j'en prendrai juste un. C'était j'adore 5 appartements, lequel va vouloir de moi. C'est fou que ce soit le seul dans lequel je me suis fait accepter et que c'était celui que je voulais le plus genre. Mais vraiment c'était pas moi qui ai choisi cet appartement plutôt qu'un autre. Genre c'était, ils m'ont accepté du coup j'ai dit oui direct. On m'a demandé s'il était dans le même secteur que l'autre ou complètement ailleurs. Alors du coup je peux enfin vous dire où je vivais avant, même si j'en ai jamais parlé. Mais du coup je vivais dans le 2e arrondissement à Paris. Je vivais vers le Sentier, si vous savez où c'est, si vous êtes parisien. C'était un quartier qui était très bien et que j'adorais. C'était très central et c'était exactement ce que je voulais quand j'ai vraiment déménagé sur Paris pour la première fois. Au final je trouvais que c'était beaucoup trop bruyant. Je sais pas, il y avait trop de gens et c'est pas forcément ce que je voulais. Je préfère avoir un truc plus calme, ce que j'ai maintenant. Mais par contre j'ai adoré vivre dans le 2e arrondissement. Genre c'était fou comme expérience vraiment. Le quartier j'adorais. Pour un premier appartement vivre dans le 2e arrondissement c'est super cool quoi. Mais du coup je vis plus dans le 2e et c'est pour le mieux parce que c'était plus trop ce que je recherchais. Je voulais avoir un truc un peu plus au calme et un peu plus posé. Du coup bah voilà. On m'a demandé si mon déménagement s'était bien passé. Alors merci de demander, mais oui totalement. J'ai déménagé deux fois du coup, ce que je ne voulais pas faire à la base. Mais du coup j'ai ramené tous mes meubles chez mes parents et je les ai stockés dans ma chambre pendant un mois. Et après je les ai redéménagés ici. Et si vous voulez savoir, c'est pas du tout sponsorisé, mais je vous le dis parce que c'est un bon plan. J'ai déménagé grâce à Stouty. Si vous connaissez pas, c'est un site qui peut vous aider sur toutes vos tâches ménagères en fait. Vous pouvez trouver genre des femmes de ménage, des gens limite pour monter vos meubles, des gens pour déménager, des gens pour réparer un joint de salle de bain. Genre c'est hyper pratique, il y a vraiment 1000 services. Moi du coup j'ai utilisé le service déménagement et vraiment trop pratique. Les déménageurs vraiment, moi je leur proposais de les aider, ils me disaient non non t'inquiète machin. Hyper gentil, ils faisaient tout, ils mettaient dans leur camion, ils les remontaient après, genre hyper hyper pratique. S'il y a des étudiants qui déménagent ou quoi, qui déménagent dans les grandes villes, essayez cet outil. Moi je recommande de fou. Bon, je pense avoir répondu à la majorité des questions sincèrement. Et maintenant on va passer à la partie que vous attendez tous, la partie où je vous montre mon appartement. Voilà quoi. Par contre je vous préviens, j'ai pas rangé mon appartement pour cette vidéo. Promis, quand je ferai l'appartement tour meublé, je vous ferai un effort. Mais alors là, pour vous montrer un appartement dans lequel il y a plus de carton que de meubles, faut pas déconner quoi. C'est parti pour mon appartement tour. Bon alors du coup bienvenue chez moi. Ici c'est la porte d'entrée comme vous pouvez voir. Là il y a une sorte de placard avec le compteur électrique. Et en dessous il y a l'endroit où je range mes chaussures. Après là on arrive dans la cuisine, pièce hyper lumineuse. Faut pas juger, la cuisine n'est pas du tout faite. Il y a mes cartons, des trucs que je dois vendre, genre mes plaques et ce micro-ondes nul. J'ai reçu cette poubelle, je la trouve super stylée. Après là il y a un évier. Et là il y a une machine à laver que je dois vendre parce qu'elle ne rentre pas dans ma cuisine. En gros je voulais la mettre ici là où il y a l'arrivée d'eau. Et en fait je peux pas. Du coup si quelqu'un est intéressé par cette machine à laver, contactez-moi en DM Insta. Non, je rigole. Et du coup là il y a rien, faut que je meuble ma cuisine, mais je sais pas trop comment je vais faire. Après on continue. Là il y a un couloir qui est énorme. On se rend même pas compte, mais il est vraiment hyper large. Faudrait que je décore ce couloir, je sais pas encore. Mais j'ai hyper envie de mettre des trucs au mur, de mettre des
des trucs partout, des étagères, je verrai. Après, on rentre dans le salon qui est meublé par ce canapé. Et voilà la pièce que c'est. Donc là, il y a la porte. Et après... voilà. Là, j'aimerais bien mettre un petit meuble sympa pour mettre mon tourne-disque. Cette lampe ne m'a pas restée, je l'ai achetée parce qu'elle coûtait 9,99€ sur le site d'IKEA. Là, il y a cette énorme fenêtre qui fait que quand il y a du soleil, cet appartement baigne dans la lumière. Et là, il y a un radiateur et là, il y aura du coup mon canapé. Enfin, on verra. Après, on arrive dans ma chambre. Encore une trop belle pièce avec une énorme fenêtre. Pour l'instant, il y a mon lilas, mais il va pas y rester. J'ai juste mis ici parce que j'avais seulement le matelas, mais mon sommier va arriver. Là, j'ai un miroir qui est arrivé cassé. Je suis hyper dingue, il est super beau. Là, il y a un portant qui ne va pas rester là, mais que j'aime trop. Là, il y a un dressing, enfin des placard. Et de l'autre côté, il y a mon rangement make-up qui est déjà en bordel. Et là, il y a plein de produits de make-up. J'ai acheté un rangement qui n'est pas encore arrivé. Et après, ici, il y a la porte pour rentrer dans la salle de bain. Cette salle de bain me donne une vibe de salle de bain d'hôtel. Regardez, donc là, il y a la baignoire. Déjà, j'ai une baignoire dans un appartement parisien. Là, il y a un énorme miroir qui me fait me sentir petite, genre. Là, il y a un lavabo. Et là, il y a les toilettes. Et du coup, c'était mon appartement. Voilà, j'espère que mon appartement vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous l'aimez autant que je l'aime. Même si de toute façon, c'est pas le vôtre. Bref. Mais voilà, j'ai trop hâte de partager ma vie dans cet appartement. Je sais pas, je suis hyper motivée pour faire du contenu. Et j'ai trop hâte de tout vous montrer. Dites-moi si vous voulez des vidéos où je parle de déco. Dites-moi si vous voulez des vidéos où je parle de mon quotidien. Dites-moi ce que vous voulez voir en commentaire. Sincèrement, j'essaierai de faire ce qui vous plaît. Bref, sinon, il y a Joanne qui m'a proposé d'aller au parc, le rejoindre pour promener son chien. Du coup, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Je vois le chien. Il est fou. Bonjour, internet. Street style, Joanne Babs, waouh.